Alors aujourd'hui, sur quoiapprendrelaphoto.com, on va continuer à s'intéresser au réglage du réflexe numérique. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à consulter la première partie de ce cours qui parlait des principales fonctions, les réglages d'autofocus, de mesure de la lumière, d'ISO, souvent les réglages qui sont situés à droite sur le boîtier et avec la molette et le déclencheur. Comme c'est un sujet un petit peu dense, je l'ai découpé en deux cours différents. Et aujourd'hui, on va aborder, on va dire, l'autre partie des réglages avec principalement la molette et les différents modes, du mode vert au mode complètement manuel. Et vous verrez, il y a des tas de modes intermédiaires. Et puis, on ira aussi un petit peu en profondeur puisque on va découvrir des fonctions un petit peu plus complexes que vous aurez peut-être pas l'occasion d'utiliser souvent ou qui sont souvent assez mal expliqués parce que le manuel de votre appareil a tendance à vous dire pour activer la fonction machin, utilisez tel bouton, pour la désactiver, utilisez tel bouton. Ça vous dit pas vraiment quel est l'intérêt de telle ou telle fonction. Donc on va creuser ça progressivement et on commence tout de suite avec cette fameuse molette de réglage.